Je pronostic du jour, c'est bien, on va aller en Italie. J'aurais voulu pronostiquer l'Inter et la Juventus, mais finalement, je ne vais pas pronostiquer ce match. Je vais pronostiquer le Milan contre Napoli, le match à Edison, dans quelques jours, le mercredi. Parce que c'est un match pour moi entre deux équipes, une équipe qui va pas bien, c'est le Milan, mais qui une équipe moyenne dans le jeu, avec beaucoup beaucoup de problématiques nouvelles en Champions League, mais une équipe aussi en forme que ça, avec l'entraîneur le plus important, l'un des pour moi le meilleur entraîneur italien depuis un certain temps, c'est Antonio Conte. Le Napoli est là, le Napoli sera là, et outre mais elle est toujours sur la même dynamique. Je pense que ce qu'ils ont fait. Après le départ de Spalletti à Italienne, ils ont ramené un entraîneur qui a un style de jeu assez moderne et un style de jeu qui fonctionne avec des joueurs qui sont là, qui sont très très intéressants. Je vois bien une victoire de Napoli à Milan. Parce que c'est toujours bien loin le Napoli, mais je vois cette victoire du Napoli. Et pour moi, c'est le tournant de la saison pour le Napoli. Parce que même de Milan. Et si un faux pas en l'Inter contre la Juve, déjà ils vont se détacher sur un concurrent. Donc c'est très intéressant. Victoire du Napoli et du Milan, voilà, on va y revenir.